Ach Tov le Israël. Ach, c'est 21 aujourd'hui, nous sommes le 21 Tevet. Et message extraordinaire, et je pense que chacun de nous le sait déjà, mais on va le trouver dans la paracha. Dans la paracha, on a les quatre langages de délivrance que tout le monde les connaît par cœur. Ve'otzeti etrem, ve'itzalti etrem, ve'ga'alti etrem, ve'lakarti etrem. Je vais vous sortir, je vais vous délivrer. Bon, j'ai du mal à traduire, mais on boit quatre verres de vin à Pessah pour rappeler de ces quatre langages de délivrance du peuple juif. Le Pri Etz Chaim, c'est un livre qu'il a écrit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, rajoute que même les quatre enfants qu'il y a dans la Haggadah, vous les connaissez, tous les Pessah, on dit Hacham, Tam, Racha, Sheino Yodé Alishol. L'intelligent, le méchant, le ignorant et celui-là qui ne sait pas parler ou demander. Chers amis, ça on connaît. Le ridouche d'aujourd'hui, la révolution, c'est qu'il y a un cinquième. Il y a un cinquième langage aussi dans la Torah. Ve'eveti etrem el haaretz. Après qu'il va nous sortir, il va nous délivrer, ils vont nous amener partout. Hachem promet à Moshe, je vais vous ramener dans la terre d'Israël. Il y a également un cinquième enfant qui n'est pas dans la Haggadah. C'est qui le cinquième? C'est le pauvre, celui-là qui n'est même pas venu à table. Il est où celui-là? Il faut l'amener. Il faut faire ve'eveti etrem. Maintenant qu'on est là en Israël, chers amis, le message d'aujourd'hui est magnifique. Je vais terminer avec la fin de la paracha, on a parlé de ça hier. La paracha se termine avec le barad, barda. C'est quoi barad? Froid. C'est la grêle. La grêle, on dit qu'ils ont eu l'Égypte. La grêle, comme elle dit la Torah, il y avait du feu à l'intérieur et la grêle à l'extérieur. Il dit le rabbi de Lubavitch que ça, ça voulait frapper l'orgueil d'Égyptiens. Plus t'es chaud, mais à l'intérieur, plus tu aimes toi-même, plus t'es froid vis-à-vis des gens. Si on veut ramener les gens à la Torah, à la lumière. Je ne parle pas de les amener en Israël, parce que grâce à Dieu, ça se fait tout seul. Les ramener à la Torah, à cette lumière-là. Alors, il ne faut pas être barad, il ne faut pas être barda. Il faut amener la lumière, et c'est ce qui va nous faire à la fin, amener à la joie. Tout ça, ça se suit dans les chiffres, on va terminer en beauté. Barad, en valeur numérique, c'est 206. Ça, on a vu, ce n'est pas bon. C'est mieux de passer à la lumière. Or, c'est 207. Et ça va amener à quoi à la fin? Yitzhak. Sourire, Yitzhak, c'est 208, la même valeur numérique de la paracha Vaera. Rappelez-vous, 206, 207, 208. Barad, il ne faut pas être froid. Or, la lumière. Yitzhak ou Vaera, c'est la paracha. Et je pense que c'est la méthode pour être lion. C'est pour ça que Peugeot, ils ont pris ces trois chiffres pour faire les modèles de voitures. Bonne journée à tous. Et que chacun de nous ramène et partage les halakhot et les diffusions. Quand on partage, même des gens qui ne sont pas à table, les cinquièmes, c'est ce qui va les amener, qui va amener aussi Machiar très vite. Amen. Bonne journée à tous. Ça va, Rabbi Elazar.